Eh bien bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 49 de notre Let's Play sur Zelda TOTK pour la suite de l'aventure. Nous avons rencontré Riju dans le dernier épisode, à la fin du dernier épisode. Et là, nous allons tout simplement se faire attaquer par des Gibdo. Et d'abord toi tu ranges, parce que j'en ai plus besoin, mais là on va se faire attaquer par des Gibdo. Donc c'est parti. Allez, par contre. Voilà, normalement c'est celui-là. Je peux normalement me téléporter. Et on va voir ce qui va se passer du coup. Parce que si y a une armée de Gibdo, ça risque d'être un peu la cata, je pense, un truc comme ça. Mais ouais, je pense que ça peut aller. Je pense que ça peut aller. Mais il faut voir, faut voir. Une armée de Gibdo qui arrive sur le bazar à sec, du coup. Ne laissez pas les Gibdo s'approcher. Ah, ça continue comme ça. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous allons les années entières jusqu'au dernier. Allez, allons-y, suivez-moi. Link, je compte sur toi. Compte sur moi pour protéger notre chef et anéantir ces monstres. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce... Voilà. Pétard a été ajouté dans les personnages. Voilà. Côte de Gibdo. Par contre, je vais pas récupérer les côtes de Gibdo du coup. Ah oui, attends, mais il y a aussi d'autres trucs là-bas. Voilà. Viscère de Gibdo. Voilà. C'est quoi ce champi bizarre là? Il était avant là? Bon, on est d'accord qu'il vient que de ce côté là, hein. Oui, on est d'accord. Ouais. Voilà. Ah. Ce truc là, c'est une sorte de nid. C'est de là que viennent les monstres. Ça ne s'arrête pas. Ils en arrivent sans arrêt de nouveau. Nous devons détruire le nid. Ok, super. J'ai vraiment... Ok. Ok, ça n'a pas l'air de fonctionner de faire ça. Bon, comment j'attaque le nid en fait là? Peut-être que c'est ça qui vous attaque. Ok, ça n'a pas l'air de fonctionner. Comment j'attaque le nid? Ouais, les côtes de Gibdo, ça fait de la truc. Hein. Ah. Let's go. Voilà. Ok.
Vas-y, venez, venez vous deux. Voilà. Bah, je crois que c'est tout en... Ah non. Voilà. Bétera, heureusement que tu étais là pour les tenir en respect jusqu'à notre arrivée. Les Gibdos craignent l'électricité, nous en sommes sûrs désormais. Nous en tirerons le meilleur parti. Hein? Zelda? Impossible! Qu'est-ce que... La cité Gerudo est en danger! Zelda! Qu'est-ce qui a provoqué ces tornades autour de la cité? Et pourquoi Zelda marchait-elle dans cette direction? Bétera, nous rentrons immédiatement. Link, Bétera et moi partons devant. Nous t'attendrons à la cité. Ok, donc. Il faut qu'on aille donc à la cité des Gerudo. Du coup, la cité des Gerudo est en danger. On a donc battu l'armée de Gibdo. On en a combien d'ailleurs des bons? On en a 40 hein, quand même. Donc c'est quand même ça fait pas mal de choses quand même. On pourrait même amalgamer d'ailleurs du coup. Bon on fera pas ça maintenant, mais on pourra amalgamer. Chaleur insupportable. Attendez. On va prendre. Anti-chaleur. Voilà. Du coup, il faut que j'aille à la cité des Gerudo, qui est par là, du coup. Qui est clairement par là. Donc, tout droit est le bordel. Tout droit est le bordel. Alors ça, c'est là où on a atterri avec les autres petits Gibdos. Bon, les Gibdos qui sont pas très compliqués hein, à attraper. Attaquer plutôt, mais c'est quand même un sacré bordel. Par contre, là, il y a un trou, on est d'accord. Hein. Crevasse du cratère, oui, il y a un trou là. Par contre, comment je vais là? Tu sais quoi, on va juste faire ça. Hein. Juste faire ça. La chaleur est intense. Ah non, 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 la chaleur n'est plus intense. La chaleur n'est plus intense. Là, il doit probablement y avoir des choses à l'intérieur, mais là, je vois pas trop bien, donc on revisitera plus tard. On revisitera plus tard, je pense. Quand il y aura le danger des bordels qui se seront arrêtés. Alors, du coup, j'ai besoin de savoir où est la cité des Gerudo, mais là, je crois que je suis dans le bon truc. Hein. Ah merde, attendez. Anti-chaleur de niveau 1. Là, il y a un truc anti-chaleur du niveau 2. Normalement, ça passe. Voilà. Anti-chaleur de niveau 2. Alors là, il y a la tour qui est là-bas qu'on peut voir. Alors. Ah, petite chauve-souris. Petite chauve-souris électrique, bonjour. Oula. Vas-y, Babil, occupe-toi. Vas-y, Babil, occupe-toi. Bon, tant pis, il s'en occupe pas. RIP. Ah si, je crois qu'il s'en est occupé. Alors, le village. Et droit devant. Ok.
Le village est droit devant. Le problème, c'est que je peux pas venir étant donné que je suis pas une meuf. Le problème est ça. Attends, il y a un nid de guibdo là. Alors. Alors. Je vais essayer de passer par derrière. Je pense qu'ils peuvent ne pas me voir si j'arrive par derrière. Parce qu'en plus, il y a le sanctuaire qui est tout là-haut, là. Donc je pense que c'est possible qu'ils ne me voient pas. Là, j'ai fait ça, je pense. Si j'arrive tout là-haut, je pense que ça peut passer en vrai. Hop. Donc hop. Petit sanctuaire, let's go. Faisons le petit sanctuaire de la cité des Gerudo. La lumière enfouie. Ok. Alors, j'ai ça. Ok. Bah, j'ai clairement capté ce qu'il fallait que je fasse. Hop. Là, on fait genre aspirateur, voilà. Hop, 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 hop. Voilà, petit coffre ici. Et là. Y'a rien du tout, ok. Petite clé. Alors, nous arrivons donc ici. Voilà, toi tu meurs. Alors, une espèce de bille bizarre là. Ok, là j'ai l'impression que ça c'est pour la suite du sanctuaire. Donc attendez, hop, on prend ça. Hop. Oulala. J'ai déterré un monstre. Super, c'est franchement la vie. Hein. Voilà. Hop. Donc. Ensuite, c'est simple, je fais juste ça. Ah, ça passe pas. Ok, super. Voilà. Ah oui, il me faut un autre truc du coup.
Il me faut un trop autre truc. Vous savez quoi, on va se la jouer bizarre. Hop. Voilà. Bon, c'était sûrement pas comme ça qu'il fallait le faire, mais... Ah, c'est une éventail à turbine, ça. C'est une éventail à turbine. C'est quoi là, la différence entre éventail à turbine et ça? Et peut-être que c'est... Attends, mais du coup là je suis embêté là du coup. Il faut que je fasse ça comme ceci. Il faut que je fasse... je colle ça comme ça du coup. Bon, du coup je fais la même technique que l'autre. Hop, on descend le bordel, voilà. Ensuite, on fait tomber le bordel, machin. Voilà. Et ensuite, on n'active que ça comme ça. Ok. Donc là, c'était le coffre bonus, j'imagine. Flèche en bois, parce qu'on a tous les coffres, on a tous les coffres, donc c'était bel et bien ce qu'il fallait faire. C'était bel et bien ce qu'il fallait faire. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce truc? Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment je fais pour passer maintenant? Oula. Bah, tu dégages, toi. Par contre, comment je fais pour passer, là? Moi, ça, là, c'est une bonne question, hein. Parce que j'ai l'impression, en fait, qu'on peut passer ce truc, là. Alors, j'ai pas compris du tout. Ce truc, à quoi ça sert? Attendez, je vais reprendre une turbine là-bas, là. Parce que peut-être qu'il m'en faut que je prenne une turbine. Mais oui, c'est un peu bizarre le sanctuaire, là. J'ai l'impression de louper quelque chose. Alors, si je fais ça là, si je fais ça, ça fait rien du tout en vrai. Il faut que j'essaye d'arriver à... Il n'y a pas un moyen où je peux passer là? Ah bah attends, si, il y a ça. Si, il y a ça. Il y a totalement ça. Ah bah attends, mais non, mais je m'embête pour rien là.
Voilà. Voilà. J'avais pas vu ce passage en fait. Je n'avais pas vu ce passage. Du coup, maintenant, toi, on peut te récupérer tranquille. Alors, non, passage de fer. Hop. Hop. Hop, 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 hop. La lumière est de refus. Voilà. Et si je mets ça dans la lumière? Ah bah ça fait pas bouclier miroir ça? C'est pas un truc miroir ça? Ah oui, c'est ça, c'est... C'est un bordel miroir en fait. Donc, si je fais ça... Attendez, j'ai pas fait celui-là et à mon avis, il en manque encore un, je pense. Non, même pas. Oh, mais comment je fais du coup? Parce que là, on est d'accord qu'il faut que je fasse ça, qu'il ramène là et qu'il fasse ça. C'est-à-dire que j'en ai loupé un là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il faudrait du coup que je le mette comme ça veut dire. Mais c'est pas possible en fait. Ce n'est juste pas possible en fait. Sanctuaire galère aujourd'hui. C'est le sanctuaire galère. Alors. Alors théoriquement, il faudrait que je le pose comme ça en fait. Et du coup, comme ça, il peut pas poser. Ouais, bah non, il peut pas poser du coup. Mais du coup, si je pose comme ça là. Mais là, je vise n'importe quoi. Là, je vise vraiment n'importe quoi là. Quel enfer! Quel enfer, quel enfer, quel enfer! Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Attendez, je suis bête. Je suis bête. Je suis bête. Parce que on en a découvert un troisième. On en a découvert un troisième. Faut juste que je le mette bien comme ça. Faut juste que je le mette bien comme ceci. Bon, on va dire que ça marche comme ça. Je pense pas que ce soit le bon move de le mettre ici. Je pense que le move, c'est effectivement de le mettre là. Ou de le mettre là-bas, en biais. Je pense que le move, c'est bel et bien de le mettre en biais. Parce que là, du coup... Parce que là, du coup, le truc arrive comme ça. Mais...
Si j'arrive à le mettre suffisamment bien ici. Ou alors là, quelque part par là, je sais plus. Avec du coup tous les supports là-bas. Peut-être que ça peut marcher en vrai. Parce que là, si je prends ça, ça peut peut-être marcher en vrai. Parce que si je colle ceci là, et que on est d'accord, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. On est d'accord, c'est ça qu'il faut que je fasse. Le problème, c'est si je fais ça. Ok, bah en fait, je me suis emmerdé. Ok, d'accord, ok. Je me suis emmerdé, il fallait juste que je fasse ça à la main. Ça pouvait passer. Voilà, donc... je pensais que ça allait être, ça allait être gardé, mais non, en fait, il fallait juste l'activer une fois. Voilà, c'était tout ça. C'était tout simple. Je me suis un petit peu emmerdé pour rien. Mais au moins on a vu. Au moins on a vu. Donc, par contre, là, on voit bien le géoglyphe. Hein. On voit bien le géoglyphe d'ici. Par contre, le problème, c'est que... Comment je fais pour rentrer maintenant? Enfin, pour rentrer. Il y a un Kourougou ici. Voilà. Petit Kourougou, nickel. 42-2. J'ai vu qu'il y avait un coffre, donc c'est pour ça que je revais là. Bouclier Gibdo. Ok. Ok. Alors, du coup, ma mission consiste à aller voir Riju. Mais le problème, c'est que je risque de me faire recaler là. Vu que je suis pas un. Vu que je suis pas une meuf en fait. Ah non, même pas? Ok. Regarde Link. C'est un nid de Gibdo comme celui du bazar à sec. Il est apparu tout à l'heure en même temps que les tornades. Mais ce n'est pas tout. Il y a deux autres. Il y en a deux autres. Un devant chacune des portes de la cité. J'en conclus que les Gibdo ont l'intention de lancer une attaque coordonnée pour nous submerger. Il ne servira à rien d'attaquer les nids pour l'instant. Ils sont invulnérables en mode défensif. Mais quand ils s'ouvrent pour assommer des Gibdo, c'est là qu'ils sont vulnérables. Et les Gibdo vont venir, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous devons être prêts à saisir notre chance. Oh. Viens. Rejoins-moi. Encore cette voix, tu l'as entendue toi aussi. Rejoins-moi. Est-ce que c'est moi qu'elle appelle ? Chef, Link, un problème ? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas.
Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la situation présente et protéger la cité des Gibdo. Préparons-nous au combat. Ok, on va se préparer du coup. On va donc se préparer. Décidément, nous sommes la proie d'événements bien étranges, l'apparition des Gibdo et de leur nid. Zada, que nous avons aperçu au bazar à sec, mais dont rien n'indique qu'elles sont passées à la cité Gerudo. J'ai ce sentiment que tout est lié et que quelque chose se trame, mais pour l'heure, nous devons préparer la bataille. Je suis désolé, Link, mais nous allons à nouveau avoir besoin de ton aide. Adresse-toi à Bétera et aux soldats pour nous aider à établir un plan de défense. Ok, bah bonjour, hein. As-tu des questions au sujet des préparatifs? Que faut-il préparer? Va parler à la capitaine Cherissa. Je voudrais que tu vois avec elle comment déployer nos troupes. Dans la cour, tu trouveras Pavro. C'est elle qui est responsable de l'équipement, elle a de quoi renforcer nos défenses. Si tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi à elle. As-tu des questions au sujet des préparatifs? Parle-moi des monstres. Les Gibdo que nous avons combattus dans le désert résistent aux tranchants des armes. La foudre de Rijou et le feu semblent être vraiment efficaces. Par contre, plutôt que de miser sur la force brute, nous ferions bien de tirer parti de ses faiblesses. Peut-être en ont-ils d'autres. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais qu'il est possible de les vaincre, alors ne perdons pas espoir. Okay, j'ai l'impression que je peux traîner dans. J'ai l'impression que je peux traîner dans le. Attends, non, vraiment? Attends, le mec est mort là? Le morse? C'est une statue pour le morse en fait. C'est le morse qu'à la verre il joue. Non, me dis pas qu'il est mort quand même. Bon, j'ai l'impression que je peux être là sans trop de problèmes. Hein. Alors, bonjour. Comment on attaque? Point B, point A, plan B, point A. Comment on est déployé? Maintenant que la cité est encerclée par des nids de monstres, nous n'avons plus le choix. Nous allons devoir nous battre. Pourrais-tu m'aider à établir une stratégie de déploiement pour nos troupes? J'hésite entre les disperser sur toutes les sur toutes les sur, sur toutes sur les fronts ou constituer une réserve de force à dépêcher sur les zones affaiblies. Qu'est-ce que tu en penses? Comment devrais-je déployer les troupes? Les lancières? Comment devrais-je déployer les troupes? Les lancières, les épéistes, l'artillerie. Les épéistes? Ah non, 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 pas ça. Je suis bête. Je suis bête. Les épéistes ne font rien. L'artillerie, du coup. Où doit se placer cette unité? À l'entrée nord. Très bien, cette unité est maintenant postée à l'entrée nord. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Comment devais-je déployer les troupes? L'artillerie. Ah ouais, non, ok. Les épéistes. On va la faire à l'entrée est, du coup. J'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai pas capté là. Un truc que j'ai pas capté, j'ai l'impression là. Et les lancières. Bah, à l'ouest, du coup. Très bien, cette unité est maintenant postée à l'entrée ouest. Ok. Donc là, on a fait le bordel. Je visite pas la cité étant donné que je suis pas sûr qu'il va y avoir des quêtes avant que la cité soit rétablie. Un peu comme les auras, je pense qu'il y aura d'autres quêtes après. Donc, une barricade. J'ai réuni quelques objets qui pourraient servir pendant la bataille. N'hésite pas à prendre ce dont tu as besoin. Et si tu acceptes de me confier cette tâche, je m'occuperai aussi de barricader l'une des portes de la cité. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Barricader une porte. La cité compte trois portes. Vue du palais, la porte nord est là et en face. La porte ouest à gauche, la porte qui est à droite, ok. On peut boucher une des portes avec du bois et des tonneaux en fer.
Où veux-tu barricader? La porte est, parce que j'ai mis les épéistes. Et vu que les épéistes, l'attaque frontale n'attaque pas bien avec contre les guido, la porte est est normalement la logique. La porte est barricadée, il faudra plus de temps à l'ennemi pour pénétrer de ce côté-là. Voilà. Donc je prends ma bouffe, hop, 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 hop. Miroir. Lance-flamme, ok. Ok. Attends, ça je peux prendre aussi? Ah bah je prends tout aussi. Hop, je prends tout. Je prends tout, je prends tout. Attends, il y a tout ça aussi que je peux prendre aussi là? Ah ouais! C'est l'artillerie lourde. Petite artillerie lourde. Corne de l'Esaphos électrique, ok, on s'en fiche. Topaz brut, ok. Et là, il n'y a rien. Ok. Par contre, est-ce que je peux prendre une arme là? C'est quoi ça? Espadon. Ouais, non. Trident Gerudo. C'est quoi ça? Cimetière Gerudo. Ça, par contre, je vais prendre parce que. À la place de ça. Voilà. Ok. Ok, continuons. Bah, là, je crois que c'est prêt, hein. Les préparatifs pour la bataille sont-ils terminés? Oui. Link, cette voix, j'imagine qu'elle t'intrigue toi aussi. Ah. Chef, Brix rapport, une armée de guibdos sauvages converge vers la cité. On en parlera plus tard, d'abord on s'occupe d'eux. Bétera, s'ils nous encerclent, c'est la fin. N'ayez crainte. Puisqu'ils nous attaquent, nous saisirons cette chance, nous les détruirons tous et leur nid avec eux. Nous allons leur montrer de ce qu'il en coûte de provoquer la colère des Gerudo. Avec joie. Soldats, Link, ensemble, nous protégerons notre chef et nous défendrons la cité. Ok. Il faut sécuriser les portes. Alors, où il faut qu'on aille? Qu'est-ce qui est le mieux à aller? Des monstres viennent de sortir du nid de la porte est. Il faut les éliminer. Oui, mais la porte est barricadée, donc ça va. Voilà. On va. Voilà. Vu qu'il est barricadé, l'autre, normalement ça devrait prendre plus de temps. Donc, on peut aller ailleurs en fait. L'ennemi marche sur la porte ouest. Ils vont goûter à mon attaque foudroyante. Voilà. Alors, encore un nid en moins. Voilà. Donc ça c'était le nid en moins. Ils sont entrés dans la cité. Comment ont-ils réussi? Il en revient toujours. Il
Il faut détruire les Nis si nous voulons les arrêter. Ok. À part toi, tu dégages. Hop. Il en revient toujours. Il faut détruire les Nis si nous voulons les arrêter. Oui, oui. Nous... Attends. Il y a quelqu'un qui est juste derrière là. Qui arrive là. Voilà. Alors. Voilà. Abattez-les tous. Il faut tenir à tout prix. Tous les nids sont détruits. Il ne reste plus qu'à éliminer les guildos de la cité. Oula, oula, par contre, elle se fait attaquer, Rijou, là, donc. Il va falloir vite que je l'aide, là. Voilà. Voilà. C'est bon, il n'y a plus rien là. Je crois pas. Voilà. Voilà, toi tu meurs. À un moment tous les trucs sont bientôt morts. Voilà. Normalement tous les nids sont KO. Voilà. Attends, il y a encore un autre monstre qui est passé. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout en fait. Hein. Il nous manque encore un petit, je crois. Ah ben non, il n'y a plus rien en fait. Y a plus rien. Ils sont tous morts. Viscère de Guildo. Ok. Bah là, je crois que j'ai tout fait en vrai. Y a personne qui nous réattaque là, je crois. Nous avons réussi, nous avons détruit tous les nids, il ne nous reste plus qu'à éliminer les monstres qui restent. Ah non, il en reste encore en fait. Il en reste encore, mais où? Where is les monstres? Ah, les monstres sont là, ok. Voilà. On a beaucoup, c'est pété. Mais c'est pas très grave. Link, je te remercie d'avoir combattu à nos côtés. C'est tout le peuple Gerudo qui en est reconnaissant. Maintenant que les nids qui encerclaient la cité ont été éliminés, les Guildo ne devraient plus être une menace. As-tu toi aussi remarqué que les nids se désagrégeaient en sable quand ils étaient détruits? Il doit y avoir un lien avec les Guildo et le sable. La brume de sable pourrait être à l'origine de leurs attaques, ou bien ils sont responsables de cette brume de sable. Difficile d'en avoir la certitude. Et ce n'est pas tout, je me pose aussi la question sur cette mystérieuse voix. Cette voix, la foudre, maintenant que j'y pense. Link, je peux te montrer quelque chose. Peux-tu me rejoindre devant la fresque de la grande salle dans la cité souterraine? Ok. Ben, on va aller la rejoindre. Par contre, du coup, il faut juste que je prenne un petit arc guerrier. Hop, voilà.
Sur la cité souterraine. Dans la cité souterraine. Donc il dit que c'est là le bordel. Mais. Cité souterraine, where? Cité souterraine, where? La cité souterraine, mais. Oui, mais faites où? Comment j'accède à la cité souterraine, moi? Comment j'accède à la cité souterraine? Avec l'aide des soldats, vous avez vaincu les hordes de Guido qui étaient 20 sorties des nids aux alentours. Riju vous demande de la rejoindre devant la fresque au fond de la grande salle de la cité souterraine. Oui, mais elle est où la salle en fait? Elle est où la salle de la cité souterraine en fait? Parce que je crois pas avoir vu où était la salle avant. Donc, je ne sais pas trop où allait la salle en fait. Ah, c'est ça. Ok. Je n'avais pas vu. Par contre, il faudrait que je passe. Bonjour. Tu t'es bien battu contre ces Guibdos. À vrai dire, s'ils étaient arrivés quoi que ce soit, aurait été bien embêtés. Tu es certes un Voi, mais tu es avant tout l'invité d'honneur de notre chef Rijou. Nos portes te sont ouvertes, entre et repose-toi donc. Ok, donc maintenant, c'est vraiment dit, je peux accéder à la ville sans qu'il y ait de problème. C'est un Voi? Oui, je suis un Voi, oui. Où a-t-elle pu passer? Où est passée la porte Proprio? Oh, tu es le Voi qui a reçu l'autorisation de la chef. C'est donc à ça que ressemble un Voi, la taille de sa tête est intéressante, sans parler de son cou, et puis quelles oreilles. Oh, pardon. Je n'avais encore jamais vu de Voi avant toi, alors forcément je suis un peu distraite. Je m'appelle Cora, je fabrique des bijoux, je crois que j'étais bien cerné de tes caractéristiques physiques. C'est ce que je n'ai jamais l'occasion de fabriquer des bijoux pour un Voi, tu comprends? Alors je ferai de mon mieux pour satisfaire tes demandes. Si la proprio était là, je suis sûr qu'elle aurait eu plein de choses à te proposer. Mais elle est partie à la recherche de matériaux pour ses créations et elle n'est toujours pas revenue. Elle est prévenue d'explorer la zone autour des dunes de Tourma et elle ne tenait pas en place, tellement elle en avait hâte. En plus, il y avait un territoire de Mordalcor par là-bas. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. La propriétaire disparue. Ok. Bon, et sinon, je peux faire quelque chose pour toi. La propriétaire n'est pas là, mais je peux t'aider. Je ferai de mon mieux. Ok. Les bijoux, c'est notre spécialité. Tu ne trouveras ça nulle part ailleurs, alors n'hésite pas à repasser. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Donc ça, c'est la cité souterraine. Ok. Ouais, mais attendez, mais c'est méga grand en fait. C'est méga grand la cité souterraine en fait. Par contre, j'ai besoin de voir monsieur, madame Prière. Madame Prière, parce que j'ai besoin de toi. Je veux plus d'endurance. Je veux terminer mon endurance et avoir un cœur en plus. Donc, c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Réceptacle d'endurance, ok. Je veux un cœur en plus. Réceptacle de cœur, ok. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. J'ai l'impression que c'est l'école ici, mais je peux peut-être me tromper.
Ok, là c'est les morses. Attendez, mais c'est giga grand en fait à l'intérieur. Je vais me paumer moi. Ah ouais! Ah oui. J'ai l'impression que c'est un peu grand hein, quand même. Il y a un petit coffre ici. Ça c'est les 7 7 héroïnes. Ok. Alors encore 4. Ça va? Oh, tu dois être le Void dont tout le monde parle. Dis-moi, est-ce que les Void Iliens, ça t'intéresse à l'archéologie? On dirait peut-être pas comme ça, mais moi je suis moi-même archéologue, si si. À vrai dire, j'ai même récemment réussi à déchiffrer les inscriptions sur ces monuments. Alors, tu veux que je t'en dise plus? Bien sûr que tu le veux, d'accord? Ah, c'est demandé. Avec tant d'enthousiasme, je ne voudrais pas décevoir ta curiosité. Tout d'abord, l'inscription sur ce pilier à gauche. Les 7 héroïnes protectrices, 6 monuments gardent le secret. Voilà ce que j'ai déchiffré. Et maintenant, celle du pilier de droite. Les 7 héroïnes protectrices, l'âme noble qui réunit les pouvoirs incarne l'héroïsme véritable. Voilà ce que j'en ai compris. En tant que Void-Iyen, tu ne le sais sans doute pas, mais nous autres Gerudo célébrons les héroïnes de temps immémoriaux. Elles auraient toutefois protégé et guidé le peuple Gerudo. Cependant, je n'ai trouvé que très peu d'informations à leur sujet. Alors, voici les mystères qui les entourent sont nombreux. Certaines d'entre nous vouent un culte aux 7 héroïnes, d'autres à l'autre, ou l'une ou l'autre en particulier. Certaines croient en l'existence d'une seule héroïne, d'autres pensent qu'elles étaient 8. Même parmi les plus érudites, un grand nombre de théories circulent. Mais ces monuments parlent d'une âme véritablement héroïque. En soi, c'est déjà une découverte tout à fait remarquable. Mais si en plus j'arrive à localiser les 6 monuments, je pourrais en apprendre encore davantage sur le sujet. Et je pense qu'il y a un lien entre cette orbe que j'ai trouvée en cherchant les monuments et tout le reste. Si je pouvais conclure mes recherches et présenter mes découvertes, je serais acclamé comme la plus grande des archéologues. Malheureusement, je n'en ai trouvé que de ces piliers comme monuments. Et il n'y en a pas de pareil à la surface. Les autres sont sûrement quelque part dans le sous-sol. Ah, si seulement je pouvais mettre la main, ne serait-ce que sur des images des autres inscriptions. Ok, le secret des héroïnes. Alors, Rijou est là, ok. Donc, on va pas aller par là, du coup. On va. Ok. Bienvenue, un garçon, oui. Massage, ok, super, un massage. Ok, là, y a rien. Maman doit être par là, ok. Ok. Ça, c'est les trucs de bouteille, tu parles d'un dossier, ok. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ben, c'est quand même assez grand. C'est quand même assez grand. Ça a été cassé ici, hein. Ça a été cassé. Bon, parlons à Riju. Des piliers et une lumière. Ah, Link, te voilà. Regarde un peu la peinture sur ce mur. Les ancêtres des Gerudo auraient peint cette fresque. Il semblerait que la cité souterraine servait déjà à l'abri à l'époque. Peut-être les Gerudo d'alors faisaient-elles aussi face à une terrible menace. Il est écrit: Dos au trône, des piliers rouges se dressent dans la vaste mer. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin. Toi qui entends ma voix, viens auprès de moi. Quand cette voix mystérieuse s'est adressée à nous, j'ai immédiatement pensé à cette fresque. Elle semble représenter un endroit, l'inscription serait alors
une énigme révélant le chemin pour s'y rendre. Je ne vois que ça comme explication. Ok. Intéressant, intéressant. Et ben nous, cette fois-ci, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On continuera la prochaine fois, du coup, ce mystère des triangles. Parce qu'on a très bien vu que dans les trailers, il y avait un monument, le donjon probablement, qui devrait normalement apparaître. Mais cette fois-ci, on va s'arrêter là. On fera ça la prochaine fois. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et sur ce, tchuss!